Toi, t'as pas besoin de maquillage pour jouer les clowns, pas vrai, mon Kitou? Hé, attends, je vais t'en rajouter une petite touche, trois fois rien. Non, 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 ça suffit. Hé, regarde, on dirait qu'il y a un cirque qui s'installe en le ville. Le grand mirifique circus est de passage à Lillaville. Allez, venez nombreux, vous serez éblouis par les incroyables acrobaties de Mademoiselle Liane. Et vous n'en croirez pas vos yeux en découvrant Mircas, l'éléphant. Mais je veux pas rater ça, Lucie, personne ne m'a jamais amené au cirque. Par-dessus tout, et en avant-première, vous pourrez contempler un spécimen unique, un monstre de Lillaville. Vous avez bien entendu, messieurs, dames, un authentique monstre capturé par un de nos frères. Dans cette cage se trouve la chose la plus terrifiante que vous ayez jamais vue. Alors soyez parmi les premiers à la découvrir en venant ce soir. C'est un attrape-nigo. Impossible qu'ils aient réussi à capturer un véritable monstre. Tu te rends compte? C'est peut-être quelqu'un de ma famille. Il faut aller voir ça, Lucie. Hé oh, ramenez-vous! Venez voir, j'ai divalisé une laverie automatique. Sentez un peu cette odeur, c'est génial. Oh, regardez, un torchon, un vieux torchon cradingue. Et une paire de chaussettes puantes. Bien joué, ma petite pustule. Avec ça, on devrait pouvoir finir ta poupée géante. J'espère que votre plan marchera. Sinon, je suis fichu, il faudra que je rembourse tous les billets. Franchement, vous vous rendez compte? Le public est là. Et qu'est-ce qu'on lui présente? Une cage vide. Je connais les monstres. Ils sont curieux par nature, ils voudront vérifier qu'on a bien capturé un des leurs. Et là, tchac, le piège se referme. Allez, je n'ai plus qu'à brancher cette prise. Pour l'instant, le seul monstre que je vois ici, c'est notre petite boule de poils. Tu crois qu'il est méchant? Ben, réveille-le et pose-lui la question. Et tu trouves ça drôle? Si on n'a plus le droit de dire des bêtises. Ouf, la cage est vide, ben je préfère ça. Et voilà, maintenant nous n'avons plus qu'à attendre. Oh, c'est Lucie qui avait raison. Quoi déjà? J'y crois pas. Hein? J'ai l'impression d'avoir entendu Kitou crier. Viens, dépêche-toi. Hé, je veux sortir. Kitou! Ça a marché, ça a marché comme sur des roulettes. Ça y est, enfin, j'ai un monstre, un vrai. Vous allez me faire le plaisir de sortir. Vous n'avez rien à faire ici, vous deux. Ça va, on a compris, pas la peine de s'énerver. Allez, viens, on va régler ça autrement. Mon pauvre Kitou. Allez, tenez vous. J'arrive. Hey, attention, t'es pas obligé d'éborgner tout le monde au passage. Arrêtez de chicoter, vous avez envie que je vous casse la figure. C'est ça, t'as qu'à te brouiller. Ça y est, j'ai presque fini. Deux coups d'aiguille, je redescends. Courage! Ma poupée! Ma poupée! Ma poupée géante! C'est encore de la faute des humains! Je sais pas.
comment ils ont fait pour faire trembler le sol. Mais ils l'ont fait. Je les hais tous. Vengeance. Vous pouvez entrer, les enfants, ça va commencer. Entrez, entrez. Prenez place, petits et grands. Le spectacle va commencer. Allez, réfléchis. Il faut qu'on sorte qui tout de là et vite, Nemo. Ben, pour une fois, ça me fait plaisir de les voir. Qui tout a été fait prisonnier par les gens du cirque. Il faut que vous nous aidiez à le libérer. Aider l'équipe? Nous? Ah, vous avez le cerveau à mollo ou quoi? Vous ne voyez pas qu'on est occupé? Allez, chargez! Yaha! Attendez! Mais le v'là notre coupable. C'est lui qui a fait tomber ta super poupée, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, viens, c'est l'occasion de libérer Kitou. Non, mais regardez-moi ce gros lard, ça démolit tout, ça défonce tout sur son passage, ça ne respecte rien. Vengeance! Attrapez-le! Mesdames, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici enfin venu le moment que vous attendiez tous. Ici, dans cette cage, se trouve un être unique, un miracle de la nature. Voici pour vous un authentique monstre en chair et en os. Une créature cauchemardesque, terrifiante. Pauvre petit Kitou. La loupe, tu vas nous payer ça, je te le promets. Ah, un tigre. Ah, gentil, le minou. Ah non, je ne veux pas mourir, pitié, je suis encore jeune. Maman, au secours. Aidez-moi! Dépêche-toi, Lucie! Lucie, Nemo, ce que je suis content, je croyais ne plus vous revoir! Ça va aller, mon petit monstre. On va te sortir de là. Ouah, enfin libre! Viens oh, là, ma Lucie, mon Kitou. Je t'adore! Ce Laloupe, il mérite une bonne leçon! Couchez! Couchez, Sultan! Laisse-moi! Gentil, ça se voit, nous les gentils, on est pareil, quoi. S'il y a un monstre ici, c'est celui-là. Eh oui, c'est connu. Les êtres humains peuvent être souvent bien plus méchants que n'importe quelle bête sauvage. On va te ramener dans ta cage. Oh, et l'éléphant? Lui aussi, va falloir qu'on le retrouve. Faisons, fiche le camp, bordel! Regardez, il va vers la décharge! C'est notre terrain! On va le coincer! Allez, mon joli, fais-nous ton numéro. Fais voir un peu comment tu danses. Allez, préparez vos munitions. Bonjour, les dégâts. Au moins, la piste est facile à suivre. Tu les entends? Ils sont là-bas. Allez, on se dépêche. Ah!
suis sûre que ça aurait du succès dans un cirque. En plus, on a de la chance, on a droit au clown acrobate. Merci, mon grand. Maintenant, faut que tu ailles sur la piste. Il y a ton public qui t'attend. La loupe ! Où est-ce qu'il est passé, celui-là ? Bon, ben, je crois que j'ai plus qu'à présenter son numéro moi-même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Voici le moment que vous attendez tous avec impatience. Ici, dans cette cage, se trouve un être unique, une merveille de la nature. Dans cette cage se trouve un monstre, une créature dangereuse et terrifiante. Une créature cauchemardesque. J'imagine que tu y es pour quelque chose, Kitou. Faites pas la tête. Moi, je vous dis qu'à nous tous entassés comme ça, on fait une poupée géante méga chouette. L'ennui, c'est que j'ai très envie d'éternuer. Ah, 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 ah.